Salut à tous les amis, ici Fanta Accélérateur, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Fanta Web Games avec Bob Lennon. Salut Bob. Les gros moteurs, les grosses clés à molette, les grosses vis, les écrous, les pistons et les chevaux, c'est ça qui est bon. J'ai jamais compris pour... Ouah, mes pneus. T'aimes les garagistes, hein, mon petit Bob. Mes pneus. Putain, je m'étais fait chier à les ranger. Ouah, ils ont gagné la médaille d'or en natation synchronisée. Ouais, champion. Ouh. Et il rêve. Regardez une machine qui rêve. Optimus Prime qui s'active. C'est Transformers 29 avec Michel Bay. Putain, c'est épique, hein. En tout cas, c'est très très beau. Oh putain, ça pète. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, hein. C'est complètement stylé. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on mesurait l'unité de puissance d'une voiture en cheval, enfin en chevaux. Mais je crois que c'est quand ils ont fait la transition de l'automobile au cheval, en fait. Oh, la police. Ma voiture vaut deux chevaux. Fuck la police, c'est ça qui est bon. C'est quand même très joli, hein. Il faut avouer, c'est extrêmement beau. Ouais, ouais, ouais. Ils payent bien leur graphiste. Bon, après, c'est de la cinématique 3D. On peut rendre ça aussi beau qu'on veut, hein. C'est pas nouveau, mais regarde ça! Cette course de poursuite! En tout cas, en 2014, oh, ouais, ça rappelle les meilleurs moments des meilleurs. Tu te rends compte que dans même pas 5 ans, tous nos jeux ils seront comme ça, hein. C'est ça qui est bon, mais pas nos PC. Ah si, nos PC, pas nos consoles. Meurtre! Meurtre! Là, tu vas pas me dire qu'il y a plus eu un mort, là. Il y a eu un mort. Ah, ça veut rien dire. Alors, chers amis, on revient sur ce jeu, on revient sur un jeu au pif de voiture, chers amis, pourquoi? Parce que même moi qui suis mauvais au jeu de voiture, qui suis pas forcément bon et qui n'aime pas ça, j'aime bien rouler avec Fanta parce que ce que j'apprécie avec Fanta, c'est quand on se tire la bourre, quand celui qui est devant mène la course, quand tu fais un tapas de couilles, quand tu fais brombir les moteurs de l'amour et quand t'accélères à fond pour prendre des tremplins du grand n'importe quoi. Le Grand Canyon, le Grand Canyon. Le désert du Nevada et Las Vegas en... Oh, quel synchro, Bob. Bah attends, c'est gratuit, hein. Encore la Lamborghini de l'amour, la voiture du futur. C'est celle qui fait zzzzzz quand t'accélères, j'aime. C'est ça que je veux, c'est l'amour. Et tout ça, nous ne pourrons pas nous le payer avec l'argent des abonnés parce que c'est pas légal, hein, déjà. Non, c'est parce qu'il y en a pas assez. Abonnez-vous. C'est ça, abonnez-vous. C'est ça. Ouais, il les éclaire au frein et t'as le camion qui... qui meurt, voilà, 5 personnes sont mortes dans cet accident. Non mais il faut le dire. Non, en plus il roule vachement vite pour un camion, ouais. Il va aussi vite qu'une Lambo. Oh là 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 là, cette flaque d'eau. C'est beau, hein, Ah putain, des équipes. Des équipes, d'accord, c'est Facebook. Il faudra faire, dès que le jeu sortira, il faudra faire le Fantabob, la Fantabob Team, hein. Vous aimez mettre des photos de votre bite à la place de votre profil et discuter avec des gens? Bienvenue dans The Crew. Il a gardé le suspense jusqu'au bout. Et on appréciera donc cette cinématique qui nous a permis de patienter pendant la petite mise à jour du serveur. Et nous, on est en train de tester la bêta tout de suite et on revient dans un instant pour vous montrer tout ça. A tout de suite. Allez, tous dans la Fantamobile. Re les amis, je suis en face du grand, du magnifique Bob Lennon dans sa caisse. Bonsoir, je suis Bob Lennon, à bord d'une Nissan 370Z pour plus de bonheur, pour plus de puissance. Regarde, je l'ai peinte comme les voitures de majorette quand on était petit, les Hot Wheels. Ouais, c'était génial. Et moi, je me suis fait une petite Camaro. Donc rouge versus bleu, hein, les habitudes de la maison. Vous connaissez le principe, hein, quand on fait des jeux de bagnole, c'est celui qui est devant mène la danse, mon petit Bob. Ouh, et t'as mis un crâne de flamme sur ta bagnole, c'est quand même classe. Ouais, carrément. Donc la petite Camaro, déjà je l'ai accroché, alors tu vois. Tout à fait. Enfin, après les 30 heures de gameplay où on joue seul avant de pouvoir jouer en coop, après enfin toute l'histoire nanarde que le jeu tente de nous imposer pour le plaisir de la forme. Toi, je sais que ça te plaît, mais moi j'étais mais c'est nanar, je m'en fous, je veux rouler. Ah, ils ont mis un scénario, ils ont mis un scénario et ça a l'air assez badass, bon, avec tous les clichés du cinéma américain, mais ça fait toujours plaisir. Alors, je fais chauffer la gomme. Alors, je montre d'abord, je montre la grande ligne droite qu'on a prévu de se faire jusqu'à la plage. Après, on tourne et puis on improvise. Celui qui est devant menant la danse. Exactement, c'est le rail de coke, c'est le rail de coke le plus total qu'on va faire le plus rapidement possible, sponsorisé par l'État français. T'es prêt, Fanta? Ouais, attends, j'essaye de faire chauffer l'asphalte. Tu laisses appuyer sur les deux gâchettes en même temps. Ouais. Mais moi, j'avance quand même. Ah bah c'est parce que tes freins sont pas assez forts. Ah bah c'est pas grave. 3, 2, 1, go! T'as pas de couilles! T'as plus de nitro-fumier!
M'en fous. Oh la vache. Oh la vache, c'est Fanta qui mène la danse. Ok, c'est parti. Te prends pas la voiture, Fanta. Te prends pas la voiture. Il y a une course de rue ce soir. Oh putain, elle me parle. Rien à foutre, rien à foutre. On s'en fout. Suce ma bite, j'en ai rien à foutre. On conduit, on est des hommes. Oh putain, les bus. Attends, c'est un train. Ouais, c'est un train, c'est un train. Le groupe de ton frère a été dissous quand Shiv a pris le bébé. Oh putain. Je l'ai sorti, je l'ai sorti. Il est juste sur le côté. Virage. Oh. Ah merde. Oh. Where is the Bob? Stop, pause. Il a oublié de tourner. Ah non, bah non, bah c'était la fin de la route. C'était la fin de la route. J'avais dit à droite, ouais. Ah bah t'as dit à droite, bah attends, t'es où? T'es à 500 là. Mètres. Le gars, t'as pas de couilles, Bob, t'as pas de couilles. T'as pas de couilles. Ah, blablabla. Voilà, excellent. Ça, alors, c'est fait. Alors par contre, juste pour l'impact des dégâts, juste pour montrer 2-3 trucs, chers amis, ne serait-ce que l'aspect graphique de la chose. Alors nous sommes sur Xbox One, je tiens à le préciser. Oui, oui, donc c'est pas le plus beau. Hein. Voilà, nous sommes sur la bêta, on s'est dit, ils nous l'ont envoyé, on s'est dit pourquoi pas, pourquoi si on s'amusait pas dessus avec mon petit fanfan pour le plaisir. Et attends, c'est pas forcément le plus beau, mais je trouve ça quand même très sympa, les décors sont quand même très sympathiques. C'est acceptable. Et surtout, montre, est-ce que tu veux bien refaire la pour bourre pour du Xbox, c'est surprenant. Est-ce que tu veux bien refaire la bourre en cockpit intérieur? Oui, ah putain, t'as raison. C'est vas-y, attends, on se remet parce là. Parce que j'aime beaucoup la vue de cockpit. Là, dans ce sens. Regarde, alors, vers c'est... le monument. Vers la bite là-bas. Et on commence avec une Ford Mustang et l'intérieur était différent. D'ailleurs, quand vous tunez votre bagnole, vous pouvez regarder un petit peu à l'intérieur. Alors, on va leur montrer ça parce que c'est quand même. Moi, j'ai été sincèrement impressionné. Il faut savoir que le dernier jeu en date auquel j'ai vraiment joué, c'était Need for Speed Most Wanted sur Xbox première du nom, la toute première, le vieux, pas le récent remake, hein, pas le pourri. Moi, je parle de l'ancien qui était nickel. Dans lequel il y avait pas mal de possibilités de customisation. Il y avait vraiment, c'était vraiment poussé. Et du coup, je trouve que là, ça reprend un peu dans les antécédents, dans les prédécesseurs, et c'est quand même assez impressionnant graphiquement. En c'est sachant très sympa. Que c'est une bêta, hein, c'est pas un test qu'on vous fait, mais on va pas juger le jeu maintenant. Oui, d'ailleurs, on a subi 4 ou 5 connexions, et d'ailleurs, ça nous pend encore au nez, hein, chers amis. Ouais. On va encore se prendre une bonne vieille déco dans Bob, la gueule. T'as pas de couilles, regarde. En plus, j'ai un super manteau en cuir, on dirait. Ça fait penser à Drive, le film. Je sais pas si tu l'as vu. Ça fait penser à Mister MV s'il se met les cheveux en arrière. Attention, t'es prêt? Ouais, en vue de cockpit. 2, 1, go! Vitesse! Ah putain, tu passes! J'ai claqué toute ma nitro! Je te nucléarise! Je vais voir si je peux bénéficier d'une aspiration. Mais tu aspires rien du tout, tu me pompes les boules! Oh merde, le rétroviseur du milieu ne marche pas, c'est dommage. Là où le cockpit est super bien fait, tout est nickel, les rétros ne marchent pas, chers amis, c'est vraiment dommage. T'as pas de couilles! Ah, il me bourre! Oh putain! Je suis mort. Je sais pas si t'as vu la cinématique, mais je suis mort en fait. Moi je suis pas mort, j'ai fait une récupération, mais alors là les gens ils ont fait un looping dans leur siège tellement c'était beau. Moi j'ai vu une cinématique où j'ai fait 3 loopings en intérieur, Fanta. Il y a une cinématique, tu sais, je vois parce qu'il y avait les bandes noires en haut et en bas. Et en intérieur ça m'a fait faire 3 loopings, j'ai trouvé ça sympa. J'ai vécu l'expérience de l'accident, j'ai envie de dire. Ouais, est-ce que tu as eu une expérience de mort imminente? Oh putain, voilà, c'était bon ça. Ah, fais voir la gueule de ta bagnole maintenant, t'es où? Bah écoute, juste là. Un peu la tronche qu'elle tire. Est-ce qu'on voit les dégâts des autres joueurs? Ouais, on la voit, putain. Bon, elle est encore jolie. Voilà comment on dépense l'argent des abonnés, chers amis. On achète met ça des bagnoles, dans des Nissan, dans des Ford, et on les casse. Attends, c'est une Camaro. Chevrolet, merci, voilà, j'essaie de reconnaître le symbole. C'est une Chevrolet, je m'y connais pas moi, symbole, tout ça. Ouais, moi je suis pas très bon en bagnole, mais celle-là je l'ai vue dans Transformers, elle est culte. Bah moi la Nissan, j'ai toujours aimé les voitures Nissan, je tiens à le dire. Mais je préfère les voitures Nissan des années 90-80 qui sont encore cubiques avec les phares qui sortent du capot, tu sais. Ouais, Bob, je vais t'inviter à me suivre, parce que là j'ai vu une course qui nous permettrait de gagner un kit d'admission. Eh ben, est-ce qu'on peut pas s'y téléporter directement avec la map? Voyage rapide, ouais, si tu veux. Bon, en même temps, c'est un jeu de bagnole. Moi j'aime bien les voyages pas rapides. Du coup, c'est où la course rapide? C'est celle qui est en haut à gauche, là? The Fantasio, Initiation, c'est ça? Ouais, vas-y. Voyage rapide. Je sais pas si on peut la faire en coop crew. Ouais, vas-y. Ça, c'est cool. Putain, alors, le fait que le multi fonctionne bien sur Xbox Live, ça me fait plaisir, parce que c'est rare. Hein. Ah,
Oui, c'est rare. Bon, les mecs, on est coincés, hein, ça veut pas se connecter. ça fait 5 minutes que ça charge, en fait, et je suis persuadé que c'est à cause de notre connexion qu'il arrive pas à se linker l'un ou l'autre. C'est une bêta, hein, écoute, hein, ce sont des c'est choses qui arrivent. C'est une bêta, c'est Xbox Live, hein, donc je retire tout le bien que j'ai dit du Xbox Live. Bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, on va faire autre chose, on va se reconnecter, on va revenir vers vous, on va se tirer la bourre à travers l'asphalte, si on trouve ouais, ça. Ouais, génial, et un peu de custom aussi, ça va être cool. Voilà, quand même, ils préviennent gentiment que des problèmes de stabilité peuvent venir. De toute façon, s'ils veulent, hein, c'est pour faire un stress test, hein, c'est pour ça aussi qu'ils font des bêtas. Exactement. Hop, on continue et à tout de suite, Bob. Hop, cette fois-ci, ça va marcher, hein, on espère. Ok, ça devrait être bon. Et on est reparti. Comment quoi ? C'est la faute de Bob. Hé, hey, j'ai désactivé mes notifications parce que j'arrête pas de me faire inviter par des gosses tout le temps, ils me rendent fou. Ah, putain, ils me rendent fou. Que ça, tu te rends compte ? C'est que ça, Bob ? Oh mon dieu, j'ai été mauvaise langue. Non, Dark Call of Duty! Non, Dark Call of Duty 779, je veux pas rejoindre ta partie, suce ma bite! Voilà, c'est dit! Okay. Voilà. Allez, c'est parti! Il y a une bonne récompense pour ça, on peut gagner donc des objets. Des objets, ouais. Une amélioration de transmission. Donc je retire le mal que j'ai dit du Xbox Live. Ah oui, encore. C'est de ma faute. J'annule mon annulation. En même temps, il y a quand même 2-3 trucs qui sont mal foutus dessus, mais c'est pas grave, pleine vitesse et on commence, allez! Toute l'opération tombe à l'eau. Dernier arrivé, tu me dis. Premier ou ça tombe à la flotte, ok. Faut gagner. Bon, ça va, je gère. Putain, c'est quoi ce chemin? Tu vas y arriver. Virage, Tantin, hop là! Ah, le Lennon est puissant! Le Lennon qui prend les lignes droites! Oh putain, le Lennon qui part en poule! Ah! Hé, hey, t'es toujours premier. C'est toi le premier. Attention, non, t'es sérieux? Les flics débarquent. Ouais, je suis juste mais derrière. Ils sont tous bourrés alors? Ils sont tous bourrés dans le virage? Bah vu qu'on n'a pas eu d'accident violent. Ils sont mauvais. Vas-y, roule. Je t'ai juste devant. Je vais essayer de pas trop te tendre si jamais. J'ai eu un passant, ah putain, je me disais, je les évitais tous. Non, celui-là, j'ai bien écrasé. Ah, t'as assassiné quelqu'un, ouais, c'est gratuit. Ça fait plaisir, hein. C'est pas grave. Ah, si, ça fait des points, ça fait des points. Il y a un petit côté GTA. Alors, j'avais... Ouh, Bob, il est puissant. Trop de puissance. Virage de fils de pute. Oh, putain. T'es juste derrière. Ouais, on est au taquet. Non, mais me laisse pas t'attaquer. Mais aucune pitié, Bob. Alors, merde. Je chierai sur ton cadavre. Fanta, je t'aime, mais là il faut qu'on gagne. On est en coop, c'est le principe. Ah, d'accord. C'est pour ça. Et si je te laisse passer devant, c'est pour éviter de te rentrer dedans au cas où. Genre comme ça, tu vois. T'as pas de couilles, moi j'ai. Y'a aucun reste. Mais non, la tête à queue. Non, fumier. Ah, on claque. T'es pas premier là. Roule. Envole-toi vers la victoire. Merde, y'a le second qui nous a rattrapé, Fanta. Je suis troisième. Et voilà. Vas-y, plonge. Dans le cul de la balayette. Ah putain, je suis arrivé troisième. Tu te rends compte que tu m'as vidé. Je suis désolé. Tu m'as vidé avec ton tête à queue. Ah putain. Fallait pas te frotter à moi. Ah ouais, ouais. Ma tête sur la queue de Fanta, chers amis. First. Ça, c'est de la puissance. Ah, on est arrivé second, ça dit. Ah, bien. Et j'ai gagné un petit kit d'admission que j'équipe tout de suite. Ça fait plaisir. Attends, moi, ça dit que je suis arrivé second. Toi aussi, non? Ça t'a marqué first? Ah, après first. Ah, j'imagine que c'est par rapport au crew. Non, t'étais peut-être deuxième, ouais. Non, je n'étais pas deuxième. Il y avait la voiture devant moi. Attends du leader. Qu'est-ce qu'il fout? Je regarde. Non. Ah, si, Fanta, c'est ça. Fanta, regarde, c'est ça. C'est bel et bien ça. Je suis arrivé troisième, mais en fait, je suis arrivé second par rapport au crew. Ah, d'accord. C'est ça, en fait. On a été une bonne équipe, on est bon. Ouais. Retour au freeride. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit. Juste montrer un petit peu la. Toi, tu voulais qu'on leur montre la. Tu connais? Attends, il y a une cinématique. Moi, c'est Troy. Et je suis Troy McClure. Tu m'as sans doute déjà vu dans des films magiques tels que Fast and Furious. Ouais, parce qu'il y a un scénario, faut pas oublier. Ouais, mais on s'en fout du scénar, c'est la violence. Ah non, mais c'est clair, je passe la scène. Allez, on y est. Pleine vitesse. Ah ouais, alors tu mènes la danse. Mais pleine vitesse. Allez, vas-y. Je sais pas où on va, mais on y va à pleine vitesse. On s'en fout. C'est ton ticket d'entrée dans les 5-10. Ouais, donc en fait, il y a un système de réputation, enfin classique. Fais-toi un nom et monte dans l'organisation en gagnant. Merde, on va où là? Je sais pas.
C'est plus cher. Mais là, c'est autre chose. On est trop cons. Merde, Fantin, on a les flics. Chaque kilomètre que tu fais me rapproche de roule. Et toi, allez, je mène. C'est bien compris. Mais oui, tu mènes, il y a les flics, fuck la police. Fais gaffe, en plus, c'est de la police du Xbox Live. Je t'invite, mon petit Bob, à faire aller dans la carte en même temps que moi. J'ai un truc à te dire. 1, 2, 3. Pour un client spécial. Bien joué. Client spécial. On va aller à la route 66 que j'ai vue. Tu veux pas montrer l'atelier d'abord ou Ah, s'en fout. Ah, oh, bah d'accord. T'es sûr? On montre l'atelier. Allez, allez, ouais, tant qu'on est en ville, ouais, t'as raison. La route 66, on montrera la prochaine fois du coup. Attends, l'atelier du coup, c'est là, regarde. Revendeur. Non, c'est pas le revendeur, non, c'est le S. Ouais. C'est le S qui brûle là. Préparateur Street. Le S qui brûle, préparateur Street. Ok, voyage voilà. Rapide. Et fais entrer directement. En fait, ça permet de l'activer sans passer par la case je charge la carte et je me fais chier. J'ai pas compris. Dans la sélection, tu as mettre comme destination voyage rapide et entrée. Ah, c'est dedans. Toi, en fait. Ah bien, Bob, il est malin, le beau bébé. Tu gagnes un temps fou. Allez, on est dedans. Oh, ça y est, je commence à recevoir un message. Putain, allez, vas-y, on va le lire un message, m'en fous. Lire le message. Attention. Message de haute qualité. Alors, esthétique. Puf. Au niveau sticker, j'ai longtemps hésité. Hein. Bob était sûr de lui. Moi, j'aurais presque voulu ça. Alors, attends, va dans une de ta voiture, mais avant de montrer la personnalisation esthétique, va dans performance. Attends. Parce que je veux juste vous montrer un truc, chers amis. C'est un truc aussi, qui... c'est beau ça. Un truc qui visuellement, moi, m'a impressionné, c'est quand tu vas dans performance, ta voiture s'ouvre comme un Transformers, et moi, j'étais très impressionné par ça. Voilà, attends, c'est très juste, con. Je montre un truc. Il y a plusieurs types de stickers, parce que j'ai pris un truc vraiment particulier. Ah, celui-là aussi, j'hésitais. Allez, je prends celui-là. Moi, je m'en lasse pas. Ou ça, c'est quand tu vas dans performance. En performance, vas-y, appuie sur performance. Ah oui. Vas-y, attends. Rentre, ressort. Tu vois, c'est génial. Ah d'accord, c'est ça que tu voulais montrer. Tu peux changer l'angle de caméra avec stick droit. C'est con mais moi je m'amuse dessus. Voilà. Je m'en lasse pas. C'est trop bien. D'accord, c'est ça que tu me parlais, d'accord. Activation du cyber protocole 23. Ok, ça c'est fait. Au niveau tuning, donc on peut changer. Il y a plusieurs. Pour l'instant, c'est surtout. J'ai débloqué que Quick, hein, donc ça va être des stickers de différents types. Sinon, ça va être. On va revenir en arrière. Ça va être de l'intérieur. L'intérieur qui est très très bien fait. Ah oui, change le cuir. Mets du cuir à la con. Allez, Fanta. Pour le défi, juste pour la fin de cette vidéo, on va le customiser nos voitures de manière à les rendre le plus ridicule possible. T'es prêt? Non. Alors, moi j'ai envie de rouler. Alors, tu m'excuses. Bah d'accord, mais mets une peinture irisée de la con au moins. Par choc arrière, je vais le changer. Voilà, celui-là il déchire. Fais-moi plaisir et mets une peinture irisée à la con, s'il te plaît. Non, j'ai mis une super peinture de voiture que je voulais depuis le début. Voilà. Allez. Je m'en vais. Oh, il se barre. Putain, tu vois, je suis tellement fabuleuse. Tu vas halluciner. Aucun respect pour le Lennon. Aucun respect pour moi, mon dieu. Le Fanta qui est un rabat-choix. Bah non, mais c'est un jeu de bagnole, j'ai envie de rouler, j'adore ça. Je sais, je me fous de ta gueule. Ok. Et bah pendant que tu te fous de ma gueule, mon petit Bob, moi je vais sur la route 66 pour leur montrer. Désolé mec, j'ai crevé, mais j'arrive faire tout une putain de voiture de kéké, tu vas halluciner quand tu vas. En dessous de Chicago, j'ai vu ça, je me suis dit, ça je veux y aller, établir destination. Et bim. Hop. Il va falloir peut-être par contre du coup que tu fasses soit un voyage rapide, soit une ellipse, parce que le temps qu'on y arrive... Ah, c'est fait pour, attends, c'est du freeride. Mon petit Bob. Il y en a un point. Mon petit Bob. Ok, je quitte, c'est bon, j'ai customisé ma voiture, elle est parfaite. Ah, cool. Et t'es où du coup? Allez, c'est parti. Juste en dehors du garage, du coup, je vais te repérer et essayer de te rejoindre le plus possible. Génial, où tu te trouves. Passer la scène. Ah bah t'es là. Ah bah super. T'es à 9 mètres de moi, tu dois me voir. Ok, alors tu l'as mis où le tu l'as mis où le T'as juste à me suivre si tu veux bien. Mais sinon, c'est en dessous de Chicago, il y a écrit route 66. J'ai jamais vu ça, la route 66. C'est une route culte. J'ai envie de voir c'est comment. Je t'attendais pas. Ok. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut que. On met où le petit symbole pour se rejoindre? Route 66 à l'angle, là où il y a écrit le panneau. D'accord, l'espèce de petit angle là sur la petite route. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai trouvé moi. Vendu, j'accepte. Établir des vois. Est-ce que tu me vois là? Moi je te vois plus. J'arrive. Je suis sous le pont là. J'essaie de remettre la carte.
Il y a quand même des temps de chargement assez bourrins, hein, il faut le dire, hein, notamment sur la map. Mais en même temps, j'ai l'impression que toute la carte n'est pas en temps réel, mais un truc de fou comme ça. Alors, ok. Je vais être quelque part, juste derrière moi, à 100 mètres à peine. Je vais être... Ah, je te vois. Ah, ça y est, je te vois aussi. Attends, regarde ma bagnole. Regarde, tu me mets à côté, regarde un peu. Oh, ça c'est complètement fabuleux. Oh, ouais. Et attends, regarde les flammes en paillettes. C'est des paillettes, elles sont bien faites. Ah, génial, Bob. Et toi, on dirait une voiture de police. Ah non, c'est bon. Oh, c'est classe en fait. D'accord, je regarde. Ok, t'es prêt? Tirage de bourre. Ouais. 3, 2, 1, pleine vitesse. Alors, le cockpit est vraiment sympa, surtout avec le côté cuir. Mais c'est vachement moins facile à conduire, c'est vraiment pour les habitués. Oh putain! Non, mon cockpit, je l'ai mis jaune fluo moi en fait. Mais active pas la nitro! Tu dis ça parce que t'as pas de couilles! Oh là là, il a pas de respect ce fanta. Il slalom entre les voitures avec talent et brio. Avec brio et amour. Attention à la voiture! Non! Et boum! J'ai vu un Lennon. Bien joué. Ta voiture est clairement... Ta Camaro est tellement plus lourde que ma petite Nissan. C'est ça. Impression de conduire une Twingo. Mais enfin bon, pleine vitesse. Du coup, on est à combien de millions de kilomètres? Et à ton avis, combien de millions de minutes ça va nous prendre pour rejoindre la route 66? Ah, à mon avis, ça va aller. Après, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce jeu. On verra bien. Mais t'as dit qu'on le verra que lors du prochain épisode, parce que au moins. Peut-être le prochain épisode on le fera sur la route 66, hein. Ça peut être sympa. Non, pas la route 66, Bob, l'épisode n'est encore qu'au début. T'as l'impression que le temps est passé vite, mais pas du tout, c'est passé à beaucoup d'années. Ça fait 3 heures qu'on s'acharne à faire fonctionner le truc sur nos Xbox respectifs et à faire les connexions et tout ça. Alors moi, forcément. Voilà. T'as vu comme ça, c'est comme ça que je prends les virages, moi. Comment ça, défisseau échoué? Je m'en fous du défisseau. Il y avait un défisseau. Ça avait l'air sympa, mais on s'en fout. Ouais, mais c'est route 66. C'est sympa, mais les défis qui s'activent automatiquement, je trouve ça un peu naze parce que ça me déconcentre. Je sais pas de quoi il s'agit en fait. J'y fais pas gaffe. C'est pas important. Oh, un bus! De temps en temps, il y a des slaloms, on a vu. Vas-y, Fanta, mets-toi à gauche du bus. Ouais. À gauche du bus et pousse-le. Enfin, pousse-le, tu sais. Essaie de le comprimer là. Genre road rage. Ah en mode Mad Max, tu sais. Allez, on trace. Je regarde la route, on peut couper en ligne droite. Oh, attends. On peut faire ça. Attends. Comment ça? Alors, ah ouais, tu dis en mode on s'en fout quoi? En mode, tu vois le petit point jaune sur ta map qui brille? Ouais. Eh ben, YOLO. Oh, tu reviens du coup. Oui, c'est parti. Attends, bah, dès qu'on aura traversé le pont. Ah, il faut traverser le pont, ouais. Obligé, ouais. Sinon après on va avoir la voie rapide, on va se faire niquer, je vois. Je peux pas prendre la barrière, je suis obligé de pas couper là. J'arrive à peine. Ah, je prends les rails de train. Percute les cibles, mais non, je veux pas percuter les cibles. Attends-moi, Fantin. Attends, je suis sur les rails de train, c'est bien ça. Mais je veux pas percuter les cibles, tu me casses les couilles. Comment je fais pour annuler? Tu vois les rails? Ah, je vois les rails. Bob, y'a des vaches devant là. Où ça? Là, il y a des vaches, on peut écraser des vaches. Sérieux? Vas-y, roule sur les quadrupèdes. Ah putain, il m'évite. Alors, non, attends, il faut qu'on... Le train. Attends, il faut qu'on réussisse à choper une vache. Le train, Fanta. Oh là, putain, j'ai bien esquivé. T'as eu une vache ou pas? Non, j'ai pas eu une vache. Pas. Ils esquivent bien, hein. Malheureusement, pas une vache. On continue à suivre les rails? Ouais. La carte, elle est où? Continuez. Tu t'en fous de la carte, il suffit de suivre le point jaune. C'est justement les rails. Mais moi je roule en ligne droite surtout. Tu suis en ligne droite le point jaune, regarde. Tu passes à travers les rambardes, tu passes à travers tout, tu t'en fous. Tu passes à travers les pots. Bah, ton petit avatar. Allez. Pas mal ça. À travers la forêt. Je te vois, tu veux passer dans. Fais gaffe à travers la forêt. On va tellement se tuer. Comment ça, mauvaise direction? Ça m'étonnerait. Ouais, le GPS il a fait demi-tour. Moi je suis astuce des bites, voilà. Rien à foutre. La dame du GPS elle va se faire foutre. Pleine vitesse, mon enfant. Tu t'es tué sur un poteau, t'es mort en poule. Ouais. Ouh putain, la flotte. Ah, y'a de la flotte. Y'a de la flotte. Alors. Il va falloir faire le tour par la gauche, frère.
on fasse le tour du barrage. Bah, il va falloir qu'on suive ce que dit le GPS, tout simplement dans des conditions comme ça. Non, on suit rien du tout du GPS, on prend le petit pont là qui est juste à gauche. Si, j'ai confiance. Dans la ligne bleue. Regarde ça, il y a le passage du train là sur la gauche. Il y a le passage du train sur la gauche. Merde, du coup, moi, il m'a enlevé mon point de repère. Oh putain, là, j'ai fait un truc, c'était pas bon là. J'ai perdu mon point de repère, Fanfan, une seconde, je vais le remettre. On est plus très loin en plus. Ah, t'as raison. Non, je l'ai pas perdu, moi, il est là. Je suis le GPS. Comme un bon petit soldat. On peut couper. Ah, ma caisse est abîmée. Ouh là là, la caméra. Oui, elle a pris cher, la caméra. Là, l'argent des abonnés ne suffira pas pour réparer. Je te vois, t'es à 300 mètres sur la gauche. Moi, il va falloir que j'essaie de couper à travers cette espèce de power plant là. Il va falloir beaucoup plus d'abonnés, moi. Ah ouais, ça va pas être possible sinon. Ça va juste pas être possible. Alors attends, j'ai une voiture rose, monsieur. Moi. Ça coûte cher à entretenir en peinture et en paillettes. Vous savez le nombre de fées qu'il faut tuer pour avoir une voiture comme ça. Ça y est, route 66. Bientôt. Moi, j'y suis, mais tu m'as dit que c'était la route qui passait dans le désert et dans je sais pas quoi. Non, mais c'est la route super connue. Il y a un panneau 66. Il y a des gens qui mettent ça dans leur chambre et tout aux États-Unis. Je suis tellement en train de passer au milieu d'un champ de blé. Je suis en train de niquer son champ. Ce qui est bien fait, c'est que le blé se plie au fur et à mesure que j'avance. Ça, c'est sympa. Alors, attends. Ouais, bah, c'est bien ça. C'est au bout de la route. Hein. Ah là, je coupe vraiment à travers champ, Fantin. Alors, moi, je suis sur une belle route, moi. Ah, sympa. Mais je confirme, tu peux vraiment couper à travers l'herbe. C'est super sympa. Hop, et c'est le point bleu que j'ai mis. Ah putain, c'est le point bleu. Ah bah je suis dans le champ de maïs, la route 66. Ah, voilà. Champ de maïs. T'es juste derrière moi en fait, hein, dans le champ de maïs. Alors, elle serait où cette route 66? Champ de blé, après le champ de maïs, le champ de blé. Hop. Après c'est qu'une route, hein, elle a rien à voir peut-être. Après c'est comme l'autorité, c'est comme la 7. Regarde, hein. Regarde, route 66, j'ai trouvé Fanta là. Cool. Attends, t'es où. Regarde, tu vois le panneau à droite là. Le panneau. Alors, à droite. Motel, le vieux motel, regarde, route 66 là. Juste là, juste devant moi. Attends, tu vas dans l'autre sens. Ouais, ben là j'ai encore le panneau. Oh là. Le magnifique panneau. Oh là, moi j'ai l'hôtel de la route 66, le vieux motel, bien foireux. Mais quand même, il y a un sens du détail qui est très 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 poussé. Je sais pas si tu remarques, mais depuis tout à l'heure qu'on roule, je trouve ça crédible le décor. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'on va dans... Ah oui, le panneau est immense là-bas. Voilà, t'as vu. Est-ce qu'on trace devant en mode... pour terminer la vidéo comme ça. En mode YOLO. Ok, allez. T'es prêt. 3, ouais. 2, 1, go. Par contre, t'as disparu. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ah c'est bah t'as pas disparu depuis longtemps. Ah bah c'est pas grave. Yaaaaaah. Alors c'est ça. On suit la route. Ah oui, on suit la route. Faut couper. Donc là c'est ça. Ça tourne. Ah ouais, cool. Tu vois, ça fait très voyage en Harley et tout. D'accord. Je suis parti en sucette dans les champs, dans le plantre électrique, le plateau, le panneau putain. Oh ça passe, c'est bon, j'y suis toujours. Mauvaise direction. La Fanta. Quoi? Regarde, c'est un NASCAR! T'as vu? Est-ce qu'à ton avis on entre? Oh, il y a des feux d'artifice à gauche! Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Putain, il y a moyen, Bob, je suis sûr. On peut pas passer. Il faut qu'on trouve le moyen de pénétrer sur ce truc. Ah, je suis sûr qu'il y a des événements qui doivent se passer là. Ah, regarde. Regarde, il y a des flammes et tout, c'est génial! Ah là là! Voilà, je suis en train de rejoindre Bob qui a trouvé le chemin secret. En fait, c'est la sortie du terrain de NASCAR, regarde à gauche là. Ah ouais, d'accord. Vas-y doucement, passe à côté de la rampe. Essaye de te squeezer dans la rampe, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Oh yeah! Voilà. Et puis la ligne droite après les biches. Hein. Alors malheureusement, je te vois pas à cause des problèmes serveurs, mais c'est pas grave. On trace! Ah, c'est un défisseau! C'est un défisseau en plus! Oh, il te respecte! Ah, il faut faire demi-tour, la zone d'atterrissage elle est dans l'autre sens, Fanta. Il faut que tu fasses l'élan dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Demi-tour. Il y avait une autre entrée, d'accord. Je vais essayer de montrer la nitro. Il est donc, chers amis, 5h du matin. Attends, on attend les secondes qui se passent pour faire perdre l'épreuve. Voilà, très bien.
Continuez, voilà, très bien, ok. T'es prêt? Allez, ouais. Pleine vitesse, en ligne droite. Allez, c'est parti, mon kiki. Vas-y, Brigitte. Là, par contre, faut y mettre toute la puissance du monde. Hein. Ouais, ouais, j'attends pour la nitro. J'attends. Je pousse. Ah putain, je sais pas si t'as... Moi aussi, médaille d'or. Combien de mètres? Ah, bien joué. J'ai gagné, je sais pas, j'ai pas vu le nombre de mètres. J'ai gagné des freins de niveau 5. The Fantasio a établi un nouveau record. Tu m'as battu, excellent. Bien joué. Bon, on a voilà la pièce au QG parce qu'on s'en fout. C'est des plaquettes de frein, hein, bien sûr, mais personne ne freine. Quand tu fais une arsouille correcte, tu ne freines pas, je suis désolé. Tu te sers des rainurages pour passer dans les bords. Et on va finir dans les champs de blé, Fanta. Ouais, bah c'est la fin. On est dans la champ de blé, voilà, on va finir dans les champs de blé, chers amis. Et ben voilà, c'était pour nous la petite bêta de The Crew, et ben sympathique. Ça valait la nuit de téléchargement et la galère qu'on a eu à se mettre à deux avec les problèmes Bobox classiques et autres, des connexions, mais c'est autre chose. Et moi je propose de finir Fanta sur un magnifique 360. Regarde, prends ton stick analogique droit et donne. Oh, regarde le soleil, quand t'es en mode cockpit, ça fait trop chouette. Oh, c'est beau, avec le champ de blé et tout, c'est sympathique. Au moins sur l'aspect graphique, je vais être sincère, ils sont pas foutus de notre gueule. Ah ouais. Ouais, pour du Xbox, ça fait plaisir. Bon, après, je préférerais y jouer sur PC, hein, tu me connais. Ah bah, il faudra quand t'es sorti, voilà, parce que cette bêta, elle était pas sur PC. Tout à fait. Il y aura peut-être une de ces quatre. Tout à fait. Et bah voilà, sur ce, on termine dans les champs de blé, on essaie de faire des crop circles avec Fanta. Voilà, ça, c'est comme ça, en fait, que ça arrive, en fait. C'est pas, c'était Fanta et Bob, en fait. Les crop circles, ça marque FBF dans le blé, tu sais. En parlant de... Voilà. Bah, on va conclure, hein, les amis. Merci de nous avoir suivis. Ça fait plaisir de vous avoir trouvé sur Fantabob Games. Un jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu de bagnole, mais ça fait plaisir. On vous dit à très très bientôt. Un très bon week-end à vous tous pour ce petit jour férié qui va arriver. Ça, c'est cool. Et puis voilà, encore plus de fun, encore plus de vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas, plus de nudisme et d'amour. Bisous et à la prochaine, chers amis. Allez, bisous.